je suis Madame Laméran, Emmanuel. Je suis secrétaire médicale, vos référentes au niveau du service de médecine de cardiologie. J'ai un bac SMS, maintenant appelé ST2S, où on peut aussi accéder au métier de secrétaire médical par le biais du bac professionnel Agora. J'ai également fait un BTS Croix-Rouge en 2 ans, et ça fait maintenant 35 ans que je suis secrétaire médical, et dont 33 ans au CHU de Lille. C'est un métier qui est très varié et diversifié. Alors une journée type, je dirais qu'il n'y en a pas forcément. On s'occupe beaucoup de tout ce qui est gestion de courrier, les gestions des rendez-vous, la gestion les classements de dossiers, la gestion des copies de dossiers aussi. Tout ce qui est courrier, départ et arrivée. On encadre, on fait de l'encadrement des stagiaires. On fait beaucoup d'accueil téléphonique et de l'accueil physique. Au niveau des usagers, des médecins, on reçoit des laboratoires. Donc c'est très très diversifié. Je travaille aussi beaucoup avec la direction des ressources numériques et la direction des ressources humaines pour justement le recrutement des agents, le recrutement des stagiaires. Je me suis vue aussi confier pendant mon parcours le secrétariat de pôle. Donc là, il faut bien connaître le fonctionnement d'un pôle avec, pareil, le trio managérial. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est surtout le contact humain. Donc aussi bien avec les patients, le contact téléphonique avec les patients, être à l'écoute des patients, mais aussi avec les collègues, parce qu'on échange beaucoup sur des nouvelles organisations, puisque c'est un métier qui évolue quand même sans cesse. Il faut refaire des procédures, des nouvelles procédures, donc ça j'adore. C'est très 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 diversifié, on ne s'ennuie jamais. Enfin moi je ne me suis jamais ennuyée pendant 35 ans. Ce qui me plaît ici, travailler au CHU de Lille, c'est une grande maison. Pour moi, c'est une grande famille au travail. Donc, comme à la maison, on ne s'ennuie jamais. C'est un établissement quand même qui fait partie des meilleurs de France. Donc oui, je recommande le CHU de Lille.